disciples. La reproduction fait partie de la vie. Très tôt, nous apprenons à multiplier. En famille, nous voyons les effets de la multiplication. Dans les affaires, avec dédication et travail, il est possible de multiplier. Multiplier et transformer le plus en beaucoup plus. Jésus-Christ, lorsqu'il était ici sur terre, a multiplié les pains et les poissons. Et beaucoup plus que cela. Il a multiplié les disciples. Au commencement, ils étaient 12. Et de ces 12, s'est multiplié une centaine, 120, 500, 3000 et beaucoup plus, beaucoup plus. Son ordre est le même aujourd'hui. Va, enseigne et baptise et fais des disciples. Ils en feront d'autres. Les disciples qui se multiplient forment une église vivante. Au final, nous voulons une église remplie de membres ou de disciples. Nous voulons que les portes du fond soient ouvertes ou fermées. Le membre espère recevoir du pain et du poisson. Le disciple est un pêcheur. Le membre s'appuie sur le pasteur. Le disciple aide le pasteur. Le membre lutte pour grandir. Le disciple, lui, pour se reproduire. Le membre espère recevoir une visite. Le disciple, lui, est un visiteur. Le membre, lui, veut aller au ciel. Le disciple veut aller au ciel et il lutte pour amener des personnes au ciel. Le disciple prie, il s'unit, ils accomplissent de nouvelles missions avec les nouveaux disciples. Car les disciples n'additionnent pas, mais se multiplient. Car c'est ainsi que Jésus a agi et c'est ainsi qu'il veut que nous agissions.